Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va réaliser ce sac. Donc, c'est le même point que le pull Rosanna. Alors pour les fournitures, les anses viennent de chez AliExpress. Et le fond, je les avais achetés sur eBay. Mais ça fait longtemps de ça. Hein. Mais on en trouve partout. Hein. Et un bouton que j'avais. Alors grande contenance. Bon, j'ai pas doublé, hein. Je vais y mettre un bouton pression aussi, évidemment. Je vais peut-être même en mettre 3 pour que ça se serve bien. Alors, en largeur, il mesure 31. Et le fond fait 13. Alors la laine, c'est la laine All Weather de chez Action, mais vous prenez n'importe laquelle, il n'y a pas d'importance. À noter, c'est un multiple de 2. Alors si vous voulez le faire plus large et mettre plus de brides ici, hein, il n'y a pas de souci, vous en mettez plus. Ça, le point à motif un multiple de 2. Donc vous faites même votre fond vous-même, hein, il n'y a pas de souci. Moi j'aime pas faire les fonds déjà, donc et puis je le trouve plus propre. Avant que celle-ci, donc 200 grammes, 183 mètres. Depuis le temps que ça traîne à la maison, alors j'ai fait un sac. Donc ça c'est pareil, hein. J'ai acheté sur eBay il y a un moment. C'était un noir et un argenté. Vraiment très très rigide. Et je trouve que pour les fonds de sac, franchement, ça les tient bien, ça les salit pas avec les petits pieds. Moi, je trouve impeccable. Et donc, c'est des fonds, forcément, qui mesurent comme le sac. 25 sur 12. Voilà ce qu'on va apprendre aujourd'hui. On met le dessous devant nous. Là, on se met au milieu. Avec un crochet plus petit, hein, parce que forcément, l'autre, ça force un peu. Et on va faire une maille serrée. Le prochain, au même endroit, on va faire deux mailles serrées. Une maille serrée dans le prochain. Deux mailles serrées. Une maille serrée. Et vous allez faire ça tout le tour. Vous en faites deux. Vous en faites un. Un, deux, un, deux. Et vous faites ça tout le tour. Alors, j'ai fait tout le tour. Et là, on va faire un nœud à l'intérieur. Comme ceci. Et la première, on va faire une maille coulée. Alors, on va mettre un marqueur ici. Et maintenant, on va faire une maille serrée sur chaque maille. Allez, vous faites ça tout le tour. Ah oui, n'oubliez pas de changer de crochet, hein.
Voilà les crochets que j'ai pris, la cime numéro 4. Ce que je fais, c'est par rapport à l'autre laine. Hein. Je prends pas. Allez, je vous laisse faire tout le tour en maille serrée. Vous voyez, vous pouvez remonter votre bord. Voilà. Alors, on enlève la fin, on enlève le marqueur et on fait une maille coulée. Enfin, on fait une maille serrée directement, je veux dire. Voilà. Comme ceci. Et là, on met le marqueur. Maintenant, on va faire une, deux mailles en l'air. Alors, vous voyez le marqueur. On va jeter. Ensuite, 1, 2, 3 et 4. Et on écoule tout ensemble. On saute une maille, la prochaine une bride. Et on recommence. Un jeté, ensuite. 1, 2, 3, 4. C'est exactement le même point que le pull Rosanna que vous aimez tant. Alors j'ai décidé de faire un sac avec. On saute une maille. Une bride à côté. Un jeté. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Faites bien lâche surtout, hein. Sinon, vous n'allez pas pouvoir sortir votre maille de derrière. On saute une et on fait une bride à côté. Un jeté. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et on écoule tout ensemble. On saute une maille et on va dans la prochaine. Ensuite, 1, 2, 3 et 4. Et on écoule tout. On saute une, on va à la prochaine. Voilà ce que ça donne. Et vous faites ça tout le tour. Et je vous fais une dernière fois. Un jeté. Surtout très lâche. Hein. Vous voyez, vous levez bien le crochet. 1. Bon, déjà, il faudrait que je pique au bon endroit. Déjà, ça irait mieux. Alors, 1. 2. 3 et 4. On saute une et on va à côté. Alors, on a terminé le rang. On enlève le marqueur. Et on va faire directement une maille serrée. Et on marque. Et là, on va faire maille serrée sur maille serrée.
Alors ici, une maille serrée. Vous allez faire des mailles serrées dessous, sous toutes les mailles. Comme ceci. Là. Vous voyez? On fait une maille serrée comme ça. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Dès qu'il y a une maille serrée dans chaque. Allez, on fait le tour et on se retrouve. Alors, on a fini le rang. On enlève le marqueur. Et vous faites une maille serrée. On remet le marqueur ici. Alors, c'est vous qui décidez, hein, si vous voulez faire un rang de mailles serrées, deux rangs, trois rangs, hein, c'est vous qui voyez. Moi, je vais en faire deux. Comme les modèles. Alors, avec deux rangs de mailles serrées, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Ça fait ça, hein, quand c'est du gros. Là, ce sera plus fin sur mon exemple, hein, sur mon échantillon. Mais sinon, ça fait beaucoup plus grand, vous voyez ce que ça donne? À comparaison, ça c'est avec du 4 de la laine et là c'est du laine de chez Action. Voilà ce que ça fait en différence. Là c'est vraiment pour vous montrer, c'est exactement le même principe. Hein. Voilà ce que ça fait. Alors j'ai décidé de mettre deux rangs de quand même de mailles serrées. Je trouve que ça rigidifie quand même l'ensemble. Voilà, allez, on fait tout le tour en mailles serrées. Comme vous avez pu le remarquer, hein, voyez, hein, la forme se fait toute seule. Vous pouvez faire avec de la laine, hein, si vous voulez. Hein. Voilà ce que ça donne. Allez, on a fini le rang. On enlève le marqueur. Et là, on fait une maille serrée. On le marque et maintenant on recommence le motif, toujours pareil. Hein. Vous voyez, par contre, ça a tendance à se décaler. Moi, ça s'est décalé. Alors, ce que je vous conseille de faire, parce que moi, ça part de travers. Alors, je vous conseille de faire, au lieu où il y a le marqueur, de faire une maille serrée de plus. Comme ça, on est au niveau. Parce que je vous le dis, hein, je l'ai fait. Hein. Vous pouvez vous montrer. Et ça part un peu de travers, même si j'essaie de rattraper. Que là, si on le fait dès le début, ça ira impeccable, vous voyez. Ça ira bien droit. Alors, vous décalerez à chaque fois d'une maille. Alors, maintenant, deux mailles en l'air. Et là, on recommence le rang de motif. Donc, une. Deux, trois et quatre. Et là, c'est toujours pareil, hein, on saute une bride. Voilà ce que ça donne. Et on recommence. Une. Deux, trois et quatre. Et vous faites ça tout le tour. Et quand votre rang de bride sera, de motif sera terminé, vous recommencez vos deux rangs de mailles serrées.
Alors, vous voyez, hein, je suis un peu de travers, mais ça se voit pas vu que c'est le côté plaqué sur le corps. Il n'y a aucun souci. Alors, j'ai changé d'idée entre temps. Donc, quand on se trouve sur le bord, on va arrêter. Et on va commencer sur le côté. On va reprendre sur le côté. Vous remarquerez, hein, je fais jamais de sac. Une maille en l'air. Et on va faire plutôt comme ça. Hein. Souvent, je change d'idée en cours de route. Et là, on va faire un rang de mailles serrées tout le tour. Et on accroche à la maille de départ. On fait encore un autre rang. Hein. Et ensuite, on se retrouve pour finaliser tout ça. Alors, j'ai terminé mon rang. Et maintenant, on va mettre séance. Alors, on va positionner, voir où on va les mettre par rapport. Vous comptez au niveau des nombres de boules comme ça au moins. On va commencer de ce côté. On va partir de ce sens-là. On va commencer à partir de ce côté. Vous voyez, hein, vous choisissez où mettre les anses. Alors je vais les mettre. Ouais, c'est pas mal là. Ouais. On va marquer. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, maintenant c'est bon. Non, un petit peu plus avant. Déjà là, on va faire. Ici. Et on va faire à peu près 1, 2, 3, 4. On marque pour à peu près voir où on veut mettre, mettre la anse. Hein. Bon, ça fait un peu écarté quand même. Hop, on va mettre là. Avec donc 1, 2, 3, 4. On va l'accrocher sur 5 mailles. Et là, 1, 2, 3, 4. Sur 5 mailles. Normalement, on doit être bon. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 à la sixième. 1, 2, 3, voilà, c'est bon. Donc les anses vont être mises à peu près entre les deux. Comme ceci. Après, vous mettez où vous voulez. Hein. Chacun ce qu'il a envie. Moi, c'est juste pour vous montrer le point. Après, la définition soit à ma façon. Hein. Alors. On va faire
nos mailles serrées. C'est de l'impro total, hein. Comme je vous dis, je suis jamais de sac. Hein. Moi, c'est le point qui me plaisait. Bon, là, on va enlever le marqueur. Alors là, on va le mettre à l'envers. On va le positionner à l'envers. Et on va piquer comme ceci. La première maille. Et on fait une maille serrée. Comme ceci, voilà. On va y arriver. Alors, on a à peu près, voilà, c'est suffisant. Donc, on a fait 4 mailles. On enlève le marqueur et on continue. Nos mailles serrées. Je trouve ça pas mal. Hop, et on relève. Et vous voyez, c'est accroché. Voilà ce que ça donne. Allez, on va jusqu'ici, on se retrouve. Allez, on arrive à cet endroit. On va enlever le marqueur. Et là. Et on fait la maille serrée. On attrape la maille derrière, vous voyez, hein. Il n'y a pas plus simple. Et la quatrième. Voilà. Et voilà, on a mis. Hop, on relève. Et c'est accroché. Et maintenant, vous faites pareil de l'autre côté. Alors, là, il y avait donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On arrive sur le côté. On va essayer de se faire mettre en face. J'ai des trophées, je sais pas. On va changer de sens, on va regarder. On va récupérer l'autre anse. Et pour bien en face, ce qu'on va faire, on va mettre. Ce serait mieux si on voit. On a bien mis à plat. Et au lieu de compter, on va pas s'embêter. Hein. On va mettre en face une fois plié. On va mettre les marqueurs là. Et là, on a fait par là. On va récupérer l'autre. Vous voyez, hein, vous piquez derrière et vous rapprochez.
Et pour être en face, hein, vous comptez le même nombre devant de mailles que dans le dos, que derrière. Hein. On enlève. On a fini le tour du rang. On va continuer les mailles serrées. Tout à l'impro, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus doués que moi pour faire des sacs. Là, on va récupérer derrière les mailles. Ou pas, je sais pas. J'avais assez serré quand même. Faut pas que ça se barre en route. Vous prenez derrière. Voilà. Et vous faites ça tout le tour. Alors, j'ai fait un rang de plus. Je vous ai pas montré, ça sert à rien. Hein. Et puis j'ai essayé un point écrevisse. Pas ce que vous en pensez. Alors je vais faire un point écrevisse. Alors je vous montre. On retourne en arrière. J'avoue que je n'ai jamais fait de point écrevisse. C'est la première fois que j'en fais un. On retourne en arrière. De toute façon, le sac il est pour moi. C'est pour ça que je me casse pas trop la tête. Moi, je fais ce que j'aime. Et je fais au fur et à mesure. Alors, je trouve sympa pour la finition. Après, vous faites comme vous avez envie. Hein. Vous faites quoi, moi ou pas. Mais je trouve ça sympa en finition. Voilà, vous voyez, hein, on pique la maille d'avant. Et je vais faire tout le tour du sac. Et je pense que ça va être sympa. Comme ça fait une finition sympa, vous voyez. Donc je vais faire ça. C'est la première fois que j'en fais. Je suis assez contente du résultat. Allez, je vous laisse faire le tour et on se retrouve pour la fin. Alors, je suis à la fin de mon rang, j'ai terminé. Et puis là, écoutez, on va attraper là. Comme on peut. Et on va couper. Hop. Puis je rentrerai le fil après. Alors voilà ce que ça donne. Moi, ça me plaît bien. C'est pour moi de toute façon, comme je disais. Hein. Le fil évidemment. C'est sympa la petite bordure, j'aime bien. J'avais jamais fait. Alors pour faire plus sympa, je vais mettre un petit bouton noir. Ou pas, j'en sais rien, je vais voir. Et puis mettre un petit bouton pression. Voilà ce que donne mon petit sac.
Puis j'ai changé ma caméra, mon support de caméra aussi. Je sais pas si vous aimez mieux. Pour mieux voir quand même, hein. Ça bouge moins. Voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, ben j'espère quand même que mon tuto vous a plu, hein. Vous faites à votre façon, hein. Vos petites finitions à vous. Moi, je suis pas habituée à faire des sacs. J'avais envie de vous montrer quand même comment j'ai fait. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Salut!